Let's go les potos, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Je Tente Ma Chance. Aujourd'hui je vais te faire une vidéo de preuve de paiement. Oui déjà, PayUp Vidéo, je suis déjà arrivé à 1$. Donc il y a eu du changement dessus parce que tout au début quand ils ont créé leur site, normalement on pouvait, le minimum de retrait était de 50 centimes le Tron, le TRX en fait, hein, vu que j'avais dit que j'allais utiliser cette crypto-monnaie pour le transférer sur FawcettPay. Et en cours, le temps que je regardais mes vidéos, ils ont changé le minimum de retrait qui est de 1$. Donc il y a d'autres crypto-monnaies, hein, c'est le Doge. Ils ont rajouté le Doge qui est le minimum de 20 centimes de dollars. Donc ça va encore, tu peux le transformer aussi en Doge sur FawcettPay, mais moi je voulais directement du TRX. Donc vu que j'étais bien parti, je me suis dit, allez, on va aller jusqu'à 1$ et puis on va voir s'il paye. Donc, bah, let's go les potos, on va voir ça ensemble, si PayUp Vidéo, le site similaire à Bucks Money, va payer ses 1$ en TRX sur FawcettPay. Et on va revenir sur Aviso pour vous montrer quelque chose, ceux qui ne sont pas encore inscrits dessus. Donc, let's go les potos. Yeah. Donc, on commence par PayUp Vidéo, les potos. Alors, si tu n'es pas inscrit, le lien est dans la description. Comme d'hab, tu peux voir que ma balance est de 1,2$, d'accord? Et tout simplement, je vais demander mon paiement. Donc, tu peux voir que là, ça fait depuis le 15, 15, 16, 17, 18, j'ai bien travaillé à 15 centimes par jour, d'accord? Il y a du 15 centimes. Donc je laisse tourner en automatique, d'accord? Donc c'est ça qui fait gagner 15 centimes par jour. Et tu peux voir, on peut voir quand même que ça monte légèrement, d'accord? Donc on gagne bel et bien un petit peu plus à chaque fois qu'on regarde des vidéos. Donc plus que tu vas regarder, plus que ça va monter légèrement, d'accord? Donc moi je vais continuer, de toute façon je le fais en automatique. Voilà, il n'y a pas de secret, hein. Je ne clique pas... à longueur de journée, je laisse tourner et voilà, je fais juste attention au captcha et c'est tout. Donc c'est parti les potos pour le retrait, on y va. Donc je m'en vais dans Payout. Donc ici on a le choix maintenant avec Payeur soit 50 centimes, Advcash 1$, Tron TRX 1$ ou le Doge à 20 centimes minimum, c'est le plus petit que tu peux faire. Donc moi comme je te l'ai dit, ça sert à rien de le mettre sur Payeur, parce que sur Payeur après je fais des transactions sur FawcettPay. Donc je sais que sur FawcettPay il y a Tron TRX, donc tout simplement je vais choisir le Tron TRX en retrait, d'accord? Donc j'ai 1,2$. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon FawcettPay, hop, ici je m'en vais dans Wallet. Donc le 30RX est là, je vais faire déposite. Je vais choisir l'adresse, copier. Je retourne sur mon dépôt normalement. Ici, le montant, je vais mettre 1,02$. Donc je ne sais pas s'il faut mettre l'adresse quelque part ou quoi que ce soit. Je ne suis pas un robot. Ah bah il était déjà mis en fait. TW4 Number Wallet, je vais aller vérifier parce que je ne m'en rappelle plus. TW4 A1, ouais, donc c'est celui-là, je l'avais déjà inséré, donc c'est cool. Donc je vais faire Request Payout. Donc voilà, donc mon paiement est en attente en fait, hein, voilà. Et ça peut compter jusqu'à 72 heures, les potos. D'accord? Donc là, je ne vais pas vous le montrer. Mais bon, voilà, la demande de paiement a été ajoutée à la file d'attente. Le paiement sera effectué après vérification par un modérateur. Cela prend généralement quelques minutes, mais peut prendre jusqu'à 72 heures. Donc ça se peut que je vous le montre dans cette vidéo, les potos. Donc je ne sais pas s'il va y avoir des frais. Il n'y a pas de frais de retrait, mais nous déduisons une partie de la note du traitement du paiement. Ouais, ben la note, c'est comme Bucks Money. En fait, à chaque fois que tu regardes des vidéos, on a une note. Et la note, voilà, il descend de l'XP. En fait, c'est une XP, d'accord? Comme on peut voir là, sur le côté, XP. Donc ça, les potos, bon, ben c'est fini. J'ai fait ma demande de retrait. Normalement, je ne sais pas s'ils enlèvent directement la 0. Donc voilà, ils ont bien enlevé les 1,02, d'accord? Donc il me reste plus que de la micro-monnaie, d'accord?
Donc ça, c'est fait. Donc voilà les potos, je reprends cette preuve de paiement de PayUp vidéo. Nous sommes le 19, donc le lendemain, il est 11h15 et j'ai été faire un petit tour sur FaucetPay et comme tu peux le voir, j'ai reçu la totalité de ce que j'ai gagné. Donc j'ai bien fait d'attendre 1$ en TRX. Hein. Je sais que le prochain coup, tous les 20 centimes, je vais renflouer ce wallet, d'accord, ce FaucetPay, car je le mettrai en Doge. Là, vu que j'étais bien parti, j'étais près des 50 centimes et qui demandait 1$ en 30 TRX, j'ai dit je vais jusqu'à 1$. Donc tu peux voir que j'ai mis 1,02$, aucun frais qui a été enlevé sur le gain. Donc là, si je veux mettre maintenant mon argent sur Coinbase, là, bien sûr, il y aura toujours ces petits frais de l'icon à faire. Donc là, pareil, si le TRX, vu qu'il n'y est pas sur Coinbase, je suis obligé de le changer en Litecoin. Et là je vais gagner moins aussi, d'accord, mais bon, je gagne déjà des frais de transaction de payeur à FaucetPay. Donc voilà, donc je valide du coup ce site PayUp vidéo, donc site similaire à l'extension Bucks Money, d'accord, va voir mes vidéos sur ça, comment gagner en automatique, d'accord, sur un site russe, je crois que ça doit être ça le titre, gagner en automatique sur un site russe, avec des vidéos quoi. C'est Bucks Money en fait, et quand tu pourras retrouver PayUp vidéo aussi également, similaire, hein, comme site similaire, et tu pourras voir que tu peux gagner les mêmes gains en fait, que ce soit le rouble ou le dollar, ça paye exactement pareil, sauf que la devise elle est différente, mais c'est pareil, tu peux te faire du 15 centimes, et plus que tu vas y aller tous les jours, plus que tes gains vont monter tout doucement. Voilà, donc je valide PayUp vidéo, les potos, ils ont bien payé après vérification, donc ça a pris plusieurs heures, moins de 24 heures déjà, mais ils ont vérifié mes vidéos, donc ça va, ils n'ont pas vu que c'était un robot en fait qui cliquait à ma place, donc il est bien invisible quand même ce actionnaire, donc c'est nickel. Donc là, à l'heure actuelle, je continue sur mon ordinateur à côté de regarder des vidéos sur PayUp vidéo, hein, d'accord. Donc voilà, à vous de jouer les potos, ce site paye, profitez-en pour enflouer tout doucement vos wallets. Voilà, tout simplement. Et on va passer maintenant au site Aviso, parce qu'on va voir quelque chose les potos. Déjà, je vais demander aussi également un retrait, parce que depuis hier, tu peux voir que j'ai 22,99 roubles, d'accord, et je peux vous dire que VK, hein, le Facebook russe, il paye super bien, franchement, il paye super bien, donc YouTube, c'est interminable, les potos, interminable, j'arrive même pas à le finir, de toute façon, là, il y a encore un 60 secondes, je vais demander mon virement. Il faut savoir que, sur ce site, c'est une fois par jour que tu as le droit de virer, ça veut dire que si un jour tu fais ta demande de retrait à 2h de l'après-midi, tu ne pourras pas redemander un retrait le soir à 20h, d'accord ? Il faudra que tu attendes le lendemain, 2h de l'après-midi aussi, pour pouvoir faire ton retrait. Donc tout simplement, moi je vais remettre tout simplement ces 23 roubles sur payeur du coup. Voilà, donc j'aurai pas 23 mais 21,86. Là, je crois qu'il fallait faire ça. Et il fallait tout simplement valider. Voilà. Donc, ça part sur mon wallet. Donc, on va aller voir ça, les potos, parce que payeur est ici. Comme tu peux voir, là, j'ai 74 centimes. Je suis monté à 85 roubles. Donc, je peux transformer aussi en TRX. Donc, je suis bientôt à 1 euro, les potos, de roubles. Voilà. Donc, 85,37, ça fait pratiquement 1 euro. Donc ici, je vais tout simplement échanger. Voilà, donc je m'en vais dans le rouble et je veux échanger en crypto-monnaie, les potos, donc le TRX qui se trouve là. Ils ont même rajouté du DAI et tout, ça c'est cool. Hein. Donc ici, c'était 85,37. Ça va me faire du 14 TRX et il faudra enlever 2 TRX, d'accord ?
Donc j'échange. Donc ça a été échangé normalement. Donc il me reste plus que 97 centimes. Donc ah oui, ils ont rajouté le matic, le DAI, le DOT. Ils en ont rajouté des nouveaux, les poteaux, hein. Donc il se trouve là, 14. Donc là maintenant je vais faire un withdraw. Donc si tu te souviens bien, la dernière fois que je t'ai montré ça à l'écran, j'avais un compte rond. Donc là tu pourras voir vraiment. Voilà, là c'est mon TRX, comme l'adresse comme l'autre, d'accord? Et le montant, tout simplement, le montant. Ici, je vais le mettre directement. Hein, tu fais ça au pire. Et tu vas faire 14, 82, 11, 80. Alors, 14,82, 11, 80. Je pense que c'est ça. Je vais revérifier une fois. 14,82, 11, 80. Ça marche. Donc là, on est bon. Voilà. Donc, en fait, je vais toucher 12. TRX sur Faucet Pay. Donc je fais send. La transaction, succès. Voilà. Donc je peux retourner directement sur mon dashboard auquel je suis revenu à zéro. Donc conseil poteau, je te l'ai déjà dit, fais ça, attends que tu as 70 roubles. D'accord? Donc tu peux voir qu'avec tous les sites, c'est faisable d'avoir 70 roubles dans la semaine. Hein. Ça c'est obligé. Donc, là, c'est fait, donc je suis à zéro parce que moi, j'ai pas confiance parce que je te le dis, il y a des moments, il y a des pirates qui arrivent à intégrer ce wallet payeur. Donc c'est pour ça que moi, le temps que je calcule tous mes extensions, les trucs comme ça, avec Bucks Money ou tout ça, il faut qu'au total, j'ai au moins 70 roubles, d'accord? Avant de les mettre sur payeur. Comme ça, je fais ma transaction directement, instantanément. Ça arrive sur payeur, ça part directement sur Faucet Pay. Au moins, je sais que sur Faucet Pay, c'est un peu plus sécurisé. Donc ici, j'ai 0. Hop, je peux fermer. Et ici, normalement, si ça ne rampe pas trop, il faudra attendre aussi un petit peu les poteaux pour le TRX. Donc la dernière fois, ça a pris 5 minutes. Donc je vais attendre ces quelques minutes normalement qui devraient arriver. Donc à tout de suite les poteaux. Donc ben voilà, à peine mis sur pause les poteaux, je peux reprendre cette vidéo car ben j'ai touché 80 centimes. Donc tu peux voir que de payeur à Faucet Pay, on perd quand même 8 centimes. Mais bon, après c'est de l'argent gratuit, tu t'en fous. C'est que 8 centimes, hein, ça serait 80 balles. Encore, tu t'en fous, même 80 balles parce que tu mettrais je ne sais pas combien, peut-être 1000 balles ou je ne sais pas combien, d'accord? 1000 balles, on t'enlève 80 balles, ben ça va quoi. Donc voilà pourquoi je reviens sur Aviso. Alors, moi je t'avais dit de plus que tu vas regarder des vidéos, plus que tu vas gagner normalement, d'accord? Donc, tout simplement, ça va être grâce à cette note. Donc tu peux voir que moi je suis en note 16,60 et j'ai un statut de travail, de travailleur, d'ouvrier ou quoi que ce soit. Si tu cliques dessus, tu pourras voir que tu vas avoir des étapes dessus. Donc ici on peut voir que si tu t'inscris, tu vas être interne, tu vas passer en ouvrier, donc travail ouvrier à partir du niveau 10, vu que moi je suis à 16,60, je suis dans cette catégorie-là. Après, tu as brigadier, maître, etc., etc. L'avantage d'y aller tous les jours, d'accord, pour regarder des vidéos et travailler avec eux, c'est que tu pourras gagner du pourcentage sur tes filleuls si tu choisis de partager ton lien de référent, d'accord. Tu peux voir que ça augmente 25-30%, mais le plus important à voir, c'est ici. C'est si tu travailles avec Aviso, tu pourras voir que quand tu débutes, c'est une fois par jour. Le maximum, c'est que 10 frotteurs, donc 10 roubles que tu pourras faire un retrait. Dès que tu as passé ton niveau 10, ta note de 10, là, ça devient intéressant quand même parce que tu auras le droit à 50 roubles, d'accord, par jour. Donc moi, je suis dans le statut là, je ne pourrais pas demander plus de 50 roubles et c'est pour ça que je vais continuer à travailler avec eux pour atteindre le troisième palier qui est brigadier, d'accord, donc le niveau 100.
Tout simplement, ben, comme tu peux voir, ça augmente en pourcentage ici, mais ça augmente à chaque fois que tu vas franchir des paliers, comme ici, une fois par jour, 150 roubles, d'accord? Donc, ça veut dire que puisque tu vas y aller, puisque tu vas gagner de l'argent dedans, d'accord? Puisque tu seras payé, hein. Donc, comme tu peux voir déjà, 150 roubles est égal à 1,60 $, je crois. 1,60 $ tous les jours. Ça serait nickel, d'accord? Donc il faut savoir que tu peux payer aussi, hein, tu as des trucs que je crois que tu peux payer, tu as des notes auxquelles tu peux payer en fait, là-dedans. Mais voilà, ça va aller jusque au maximum, jusque là, on a le temps, les poteaux, mais c'est 10 000, en note de 10 000, t'es oligarque. Et une fois par jour, tu pourras retirer plus de 15 $, d'accord? Plus de 15 $ par jour. Donc franchement, si ce site résiste longtemps et attire beaucoup de monde, il y a de quoi se faire de l'argent sur ce site. D'accord? Comme là, ici, comme on peut voir, nous travaillons depuis 4 ans, 8 mois et 10 jours. Utilisateurs, il y a 2 024 651 utilisateurs. Donc si tu n'es pas encore inscrit dessus, vas-y, fonce. Plus on y sera, mieux que ce sera, et plus que tu vas gagner de l'argent dessus. Donc nous avons payé plus de 99 849 664 roubles, les poteaux. 100 millions de roubles. Bientôt, 100 millions de roubles. C'est incroyable. Franchement, il y a encore 9 personnes en 24 heures là qui se sont inscrites. Les paiements dans les 24 heures. Donc oui, c'était dans les 24 heures. Parce qu'ils disaient que ça pouvait prendre jusqu'à 72 heures, mais bien sûr, s'ils ont beaucoup de paiements en même temps, ça peut effectivement prendre 3 jours pour recevoir ton paiement. Mais comme tu peux voir, le plus important, c'est quand tu montes ta note, c'est ici, hein, le retrait de fonds du système. Comme là, 500 roubles, tout ça augmente à chaque fois. Et c'est ça qu'il faut regarder, les poteaux. D'accord? Donc, comme j'ai dit, t'es payé une fois toutes les 24 heures. Mais le but, c'est de travailler beaucoup avec eux pour augmenter tes gains par jour de retrait. Voilà, poteau. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Je tente ma chance. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'était Je tente ma chance. À bientôt, les poteaux. Yeah!